Les feuilles mortes comptent une histoire. L'illustre cercle d'Elden, affolé en éclats. C'est un récit que vous connaissez bien. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, la reine Marika disparut et qu'une nuit des longs couteaux mit un point à Godwin. Oui, tout le monde l'a déjà fait. S'ensuivit une guerre entre les demi-dieux, ainsi qu'un bel enchaînement de jolis concept art. Oh, vous auriez préféré une cinématique. Tant pis. L'appel de la grâce fit revenir les sans-éclats. Des sortes de carafes de vin sans raisin, le Fury, le Maniaque, l'Anaphomane nécrophile, le Mangeur de caca, le Gros Mytho, ainsi qu'une autre à la physionomie pratique pour des besoins de casting évidents. C'est de cette dernière dont je vais vous conter les aventures, mais également les mésaventures. La fièrement et bien nommée Gondiok. Bienvenue en Entre-Terre. Terre du milieu étant déjà pris. Partant à l'aventure, notre sans-éclat s'empresse. Profitant de l'étendue des paysages, mais surtout, des quelques pauvres âmes perdues, simples d'esprit, n'ayant jamais mis les pieds dans un saule. Comment résister à la tentation d'admirer ces nouveaux joueurs se jeter en boucle dans le vide à cause du même message à la con? Trêve de futilité, une grande aventure nous attend. Et ce faisant, une redoutable créature se dresse sur le chemin. Notre héroïne parviendra-t-elle à franchir ce premier obstacle? Évidemment que non. Ravi de te revoir, From Software! Mais miracle, car se réveille alors inopinément Gondiok, sauvé d'un terrible trépas grâce à la grâce de la grâce et... Oh, voilà un bel et curieux animal. Le juste croisement entre le cheval et le buffle. Le chevuffle. Avec habileté, le tutoriel fut convenablement esquivé, connaissant bien déjà toute base d'une guerrière prédisposée. Frapper, contrer, bloquer, cintroulade et sauter. Sauter. Oh. Et oui, après un Demon's Souls, trois Dark Souls et un Bloodborne, un univers de possibilités s'offre à vous. 2022 quand même, putain, il était temps. Et non, Sekiro, ça compte pas. Ah, Nécrolimbe. Sa Golden Hour, ses chevaliers trop grands, ses chèvres qui roulent. La destinée de Gondiok est enfin entre ses mains, libre de suivre sa propre voie, ou bien de céder de la lueur de la grâce, émanant des feux de bois de la volonté suprême. Grâce, montre-moi mon destin. Pour trouver votre destin, continuez tout droit. À peu près par là. Ah ouais, c'est ça le super pouvoir de la volonté suprême. À l'orée de la vallée des stérilés géants, un curieux personnage masqué nous invite à trouver une boniche, mais aussi de partir rencontrer Godric le greffé, terré dans les murailles de Voilorage, subtilement placé là. Sans doute ce cavalier saurait nous guider pour franchir ces murailles. Évidemment que non. C'est pas très convivial. Courroucé par la provocation d'un tel gourgandin, Gondiok se dressa fièrement face à ce redoutable adversaire. Ah mais c'est un plan recyclé ça. La réticence de ce mécréant ne déchante en guerre, Gondiok trouva finalement le courage de persévérer et d'avancer de l'autre côté. Car proche de cette église en ruine, patrouillent des sentinelles, sans doute moins coriaces que leurs prédécesseurs. Oh, on peut plus pisser tranquille. Plus loin, une mécréante vint se proposer en tant que boniche tout en offrant son chevuffle. Acceptant cet inestimable présent, Gondiok parcourut les marécages, chevauchant son fier destrier et toisant l'émanant de sa stature, telle d'insignifiante créature de... Bonjour, ça va? Eh oui, on n'a pas attendu 6 saisons pour voir un dragon directement. Martine a retenu la leçon. Mais à présent, c'est à armes égales que ce qu'ancre la cuirassée du prélude devra faire face à la toute-puissance de Gondiok. Oh, souhaitez-vous vous restaurer d'un peu de mon bon pourpre? Garantie 100% de matière grasse. Et restaure votre éclat.
harassé de son statut de vicus, il était plus que nécessaire de dégoter un outillage plus digne de son titre. Le camp retranché non loin de là cacherait probablement un tel arsenal. Ah non, toi ta gueule ! Et parmi les divers coffrets et chariots, elle dénicha enfin un espadon seigneurial. Une lame considérablement massive, enfin à la mesure de son courage. Un courage qui prend son temps, mais qu'en sera-t-il de notre grand cavalier ? Voilà qui est mieux. Oh, tout ça, c'est fou. Plus aucun malandrin ne saurait triompher face au sans-éclat. Pas même ce géant infernal qui se cachait 10 mètres plus loin. Attention ! Je vais me fâcher ! J'ai de la corne aux couilles. Des ennemis, mais que nenni. L'entre-terre n'est point composé que de bandits ou de redoutables créatures. Gondiok fit la rencontre de nombreux autres vagabonds, tous guidés par la grâce. Oh, vous êtes sans éclat, n'est-ce pas ? Je suis Random du Pif, chevalier des Balekozef, grand précepteur des Membranles et protecteur de la tombe du Froid-Foutre. C'est la première fois que nous nous rencontrons, n'est-ce pas ? Je n'ai donc rien d'intéressant à vous proposer. Après une autre créature plutôt pénible à Auxir... Ma personne est sacrée. La guerrière s'égarait du sentier et se perdit en esquivant le château de Voilorage qui eut pour conséquence d'activer un dialogue imprévu et surtout beaucoup trop tôt dans notre aventure. Oui, j'ai merdé. Mélina invitait alors sa nouvelle maîtresse à rejoindre en avance le bastion de la table ronde où se trouvait tout le gratin pour une soirée fondue géante. Ici étaient alloués les services d'un membre d'équipage de David Jones ainsi que Fia qui accordait une étreinte sans subtilité ni préliminaire et à sec pour jouir de la bénédiction du bal. D'Aquin. Bon, en gros, elle fait juste des gros câlins. Mais retournons en Entre-Terre. Il était temps pour Gondiok de retrouver son chemin vers les portes du château de Voilorage. Oh, c'est encore vous. Oui, je suis toujours dans mes pensées. Mais à un autre endroit. Et sachez que c'est dépêche-toi, très romance. Mais je ne m'en... Oh, cet objet que vous avez sur vous. Oui, dont vous n'avez aucun souvenir et que vous avez récupéré il y a 700 heures de cela. Pouvez-vous me l'offrir ? Merci. Je vous en serai éternellement reconnaissant. À présent, laissez-moi vous dire quelques bribes sur l'histoire de ce monde et qui vous sera indispensable d'écouter pour comprendre l'intégralité du lore de ce jeu. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Que la grâce illumine votre chemin. C'est vraiment le gars de Game of Thrones qui a écrit ça ? Que la grâce illumine votre chemin. Ouais, okay. Vois l'orage. Imposante forteresse, aux murailles couvertes des stigmates de la guerre. C'était parti pour un florilège de merde à traverser. Marius Padish. Tu veux quoi, toi ? Mais toi, tu veux quoi, toi ? C'est toi, tu veux quoi, toi ? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi, là ! Tu regardes de travers ! J'ai pas regardé de travers ! Et je vais niquer ta mère ! Mais oh, arrête, hein ! Géo. Alors, c'est chiant, hein ? Ce n'est qu'un pot géant plus tard, habilement berné par la stratégie du linteau de porte trop petit, que Gondiok fit face à Godric le greffier. Seigneur et maître de ce château, possesseur d'un fragment du cercle d'Elden, et premier vrai défi. Je suis le professeur Chaos, et désormais le monde se prosternera devant moi. Partout où j'irai, j'apporterai la destruction. Devant le professeur Chaos, prosterne-toi. Super. Oui, super. Comme ça.
T'as mis combien de temps pour venir ? 2h30 de bagnole, juste pour ça. Tu m'étonnes que sa chaîne ne marche pas. Mais heureux hasard, dans la cohue de ce terrible grabuge, Godric se mutila de lui-même. Ah, ça fait mal ! Oh, crotte de nez ! Ah, y a mon zizi qui est tout dur et tout droit. On ne peut pas être doué en tout. C'est alors que soudainement, plongeant sa plaie à vif en la dépouille de ce gourmet bétail, émergea une protubérante céphalée redoutable de son excroissance, à présent capable de stupéfiantes flambées. Je dois reconnaître que ça m'a plutôt fait du bien. Alors, usant d'une adelphité à toute épreuve, une trace au sol fit surgir un fidèle allié, prêt à assister la guerrière dans sa quête. Oh, bonjour, cher sans éclat. Alors, comme ça, on est dans l'embarras ? On arrête de tryhard ? Oh, on n'est pas assez bon pour Git Good ! Ta gueule, va choper l'aggro et va te faire buter pendant que je me heal ! Mais arrête de rire ! On se promenait tous deux et puis merde ! Les yeux dans les yeux et puis merde ! Sous le chaud soleil et puis merde ! Et c'est après de maintes tentatives désespérées que finalement Gondiok triompha de Godric, pourfendu d'une entaille majestueuse et épique. Je dois tout de suite aller à l'hôpital ! Elle récupérait alors de cette carcasse morbide l'un des premiers grands fragments du cercle d'Elden, lui octroyant alors un pouvoir incommensurable de demi-déesse. Puis, s'approchant de la carcasse du greffé encore palpitante, dont la prestance s'évanouissait tout en rendant un dernier souffle, elle s'approcha de son visage et lui murmura ces quelques mots. Oui, certes,